Comment ça se fait qu'un post qui a eu 2 likes m'a rapporté 7000 euros? Je vais juste décortiquer un tout petit peu ça, tu vois, parce que j'ai eu des questions, j'ai fait une story là-dessus hier ou je sais plus quand, et j'ai eu des questions là-dessus. Donc, dis-toi que, tout simplement, à la base, on s'en fiche du nombre de likes. Ce qui est important, c'est, est-ce que tu sais à qui tu parles? Est-ce que tu connais cette fameuse cliente idéale, tu vois? Mais si on sort du mot cliente idéale, ce qu'on veut, c'est juste, est-ce que tu connais les attentes des personnes à qui tu parles? Est-ce que tu connais leurs besoins? Est-ce que tu sais quelles sont les choses qu'elles veulent? D'accord? Et c'est leur parler à elles. Ensuite, c'est vraiment être concrète. C'est-à-dire que les posts inspirants, c'est bien, mais c'est pas ce qui fait particulièrement vendre. D'accord? Donc ça, c'est le côté très concret. C'est-à-dire que la communication est hyper importante. C'est les titres, c'est les contenus, c'est ce que tu partages. Ensuite, c'est l'énergie. D'accord? C'est-à-dire que je m'en fiche si mon post a 2 likes. Parce que moi, je sais que ce que je transmets a de la valeur. Parce que j'ai entièrement confiance que les clientes me trouvent. Parce que j'ai entièrement confiance que les clientes me payent. Et ensuite, tout simplement, j'ai mis en place aussi des actions précises qui amènent ces clients à me payer. Tout ça, on en parle dans l'atelier la semaine prochaine.